Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on vient d'arriver au pont d'Espagne, c'est aux Pyrénées. On est parti pour une petite randonnée durant 2 jours. Donc, je vais vous filmer un peu tout mon parcours. J'espère que ça va vous plaire. Et après, je sais pas niveau son ce que ça va donner parce que j'ai pas du tout de micro. Donc, on fait avec le micro interne de la caméra. Je fais parfois des plans cinématiques un peu avec mon drone et ma caméra. Donc il y aura un mix de vlog et en même temps côté cinéma, que j'apprécie beaucoup. Et puis voilà, donc là je vais aller prendre mon sac et puis on va partir tranquillement sur la rando. Du trek, ça a bien monté là déjà. Je suis à encore 40 minutes de marche du lac. Bon, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. C'est pas trop mal là. Super agréable en tout cas. J'espère que vous êtes bien posé chez vous tranquillement en train de regarder ce vlog. Et là, tu décides de partir en montagne. Pas beau la vie, c'est magnifique. Attendez, hop là, oula, faire attention où je marche, sinon je vais me casser la gueule. Et là, on arrive juste au lac, il est à quelques mètres. Il y a plein de monde là, ça va être cool. On va se poser tranquille, on va manger tout ça, puis voilà. Je me suis posé, je mange et après voilà quoi, quelques plans, quelques photos, je vais un peu me balader. De toute façon je suis en avance, il est 11h-5, donc j'avais prévu d'être là à midi, donc tant mieux, pour avancer peut-être un peu plus loin tout à l'heure et aller à un endroit sympathique. C'est apaisant de ouf, le bruit de l'eau, tout ça. Il n'y a pas plus beau, je crois. Enfin, si, il y a plus beau, mais là actuellement, c'est incroyable. Incroyable la nature, ce qu'elle nous réserve. Là en vrai, je suis pas trop mal. Je suis à du lac, il y en avait pour 1h30 pour aller à l'auberge, au refuge. Et jusqu'au col où je veux aller, il y en a pour... En tout, là, j'ai encore 5 km à faire. Donc, il y a moyen que j'aille au col directement aujourd'hui, je vais voir. Parce que là, il est midi 24. J'ai un peu traîné tout à l'heure. Puis c'est cool, en tout cas, je passe une bonne journée. C'est top. Vraiment, sortez et faites des choses simples. Voiture, forêt, montagne. C'est tout. Allez, on reprend la marche après 20-30 minutes d'arrêt pour manger. Puis tu rencontres des gens, c'est cool, c'est sympa.
fait plaisir. Donc là, ouais, comme je disais, on est bientôt arrivé au refuge. Je pense qu'on va se poser là-bas, on va dormir là-haut. Et on va pouvoir faire des petits plans sympas au drone. Voir ce que ça donne. Ou même avec l'appareil photo. Et au moins profiter pour se reposer tranquille. Et je verrai après. Si je continue ou pas, mais il y a moyen que je m'arrête là où dormir. Il fait beau. On respire. C'est top. Allez. Let's go. L'ascension est finie, comme vous avez pu voir. Là en plus il y avait une pente à la fin, c'était assez dur. Je me suis dit ça va être comment la suite, et au final la suite, bah, il n'y aura pas de suite parce que c'est totalement enneigé. En tout cas c'était une super rando. Allez, je laisse là pour un petit instant et je reparlerai tout à l'heure. Donc, on va gonfler le matelas, ensuite petit duvet, il fait chaud là, waouh, il tape, 17h là, ça envoie le pâté hein. En tout cas voilà, on continue, on profite, et c'est important, franchement là c'est important de prendre du temps pour soi. C'est le jour où vous allez être tout seul et vous aurez tout le temps fait des choses à deux ou à plusieurs, bah vous allez être en mode... Ah bah je ne sais pas faire tout seul, j'ai jamais appris. Donc même si vous êtes à deux, à trois, on s'en fiche. Prenez du temps pour vous, faites les choses. Ça viendra petit à petit. Après voilà, c'est comme ça la vie. Il faut apprendre, il faut échouer, il faut tomber, il faut se relever, il faut essayer. Moi je fais ça fait deux fois que je fais du... Une fois que je fais de l'attente et franchement c'est un kiff. Et là, même là il y a une montée là, je me suis dit comment je vais faire pour la montée. J'ai fait, là après je suis arrivé et le plan, le cadre est magnifique. Franchement les montagnes, la neige, c'est kiffant de ouf. Franchement c'est kiffant. T'entends le bruit de la nature. Chill. Donc voilà. Donc là je vais me poser un peu. Et puis après ouais, je vais faire ce que j'ai à faire là, des petits, remplir ma bouteille d'eau et tout. Pourquoi pas faire une petite douchette comme ça là, par-ci par-là, histoire de me nettoyer un peu. Allez, on va voir. Et bien c'était bien froid. Là je vais juste maintenant me nettoyer les pieds. Et ça fera bien l'affaire comme on dit. Allez, let's go. Voilà. C'est pas magnifique franchement. C'est magnifique, c'est incroyable. Tellement beau. J'avoue, ce vlog il va dans tous les sens. Il n'y a rien qui est. Il y a tout dans le. Pas tout dans le désordre, mais c'est du freestyle un peu. Mais au moins, voilà. Vous vivez un peu comme moi l'aventure. C'est un peu. Voilà, nature, naturel. Tout est dans le naturel dans ce vlog. Il n'y a rien de. Rien de préparé. On est là, on kiffe, on admire. C'est super aventure. J'avoue, je dis tout le temps, c'est super beau, c'est magnifique depuis le début. Hein.
n'arrive pas à faire semblant. Je pense que demain matin, je vais clôturer le vlog. Je vais filmer le matin, là où je suis. Après, peut-être quelques plans quand je vais descendre, mais très très peu. J'espère en tout cas vous aimez bien ce vlog. Et si c'est quelque chose qui vous plaît ou que vous voulez revoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce serait cool. Donc là, je vais me faire à manger, je vais manger. Et ensuite, aller chill après le repas et me reposer. Et puis voilà. Voilà, on va rentrer tranquillement. On dit au revoir à cette petite montagne là-haut. Et puis voilà. C'est comme ça que je vais clôturer ce vlog. En espérant qu'il vous aura plu. Et puis voilà. Allez, à bientôt et prenez du temps pour vous. Ciao, ciao.